la frontière franco-espagnole, cette année, on a passé le cap des 11 millions de visiteurs. Ces jours-ci, une petite fête avait été organisée pour le passage de ce 11 millionième touriste, une Française, qui a été congratulée et comblée de présents. Ce qui rend la tâche du fascisme si lourde, c'est qu'il ne s'agit pas de réparer les erreurs d'Orlando, de Nitti, de Giolitti. Il s'agit de tout reprendre par la base. Il s'agit de rétablir tout ce qui a été détruit par la démocratie dans les 30 années qu'elle a régné. Nous avons à restaurer maintenant la volonté de l'ordre, la notion de la hiérarchie, nous avons à définir les limites de la liberté et à exalter le sentiment national. Anticollectiviste, irréductiblement opposé à la dictature du prolétariat, le fascisme postule la conciliation de l'individu et des nécessités sociales. À cet effet, la doctrine assigne un rôle d'arbitre et de modérateur à un État libre, impartial et fort. Constitué lui-même d'éléments choisis, le fascisme pose en principe la hiérarchie des valeurs sociales, la subordination de l'acte à la pensée, de la main à la tête. Ce n'est pas être hostile aux travailleurs. Nous ne combattons que l'antipatriotisme. Nous marcherons droit à la réalité. Il y a des valeurs sorties du prolétariat qui doivent être protégées et encouragées. Il faut pourtant admettre que la bourgeoisie, responsable des entreprises, puisse gouverner tranquillement ses affaires. Pour l'Italie, il n'est plus question d'entrer dans le socialisme, nous y sommes déjà. Il s'agit d'en sortir. Il s'agit de retirer à l'État des attributions pour lesquelles il n'a pas de compétences, et dont il s'acquitte mal. Il est nécessaire d'agir et de réagir, il faut que nous soyons tantôt gaiement révolutionnaires, et tantôt réactionnaires fiefés. Le fascisme veut que l'État retrouve et consolide son autorité légale et son prestige moral en se mettant au-dessus des partis et des factions. Le fascisme veut que l'État oblige la justice à la rapidité et qu'il remette la magistrature dans des conditions économiques requises par son grand office. Le fascisme demande que l'État se débarrasse de toutes les fonctions qui ne lui sont pas essentielles pour mieux exercer celles qui lui sont naturelles. Le fascisme demande que l'État réalise intelligemment la réforme de l'administration, atteinte d'éléphantiasis chronique. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les deux ou trois ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et dans une forme de blitzkrieg. Fasse passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49-3, ben, tout ce qui est nécessaire, fasse passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. Lorsque la Société des Nations a voulu venir au secours de l'Autriche, elle a fait, par d'autres moyens, ce qu'a fait Mussolini. Elle a suspendu le fonctionnement du régime parlementaire. Elle a arrêté le jeu des institutions électives. Elle a, en somme, réagi contre la démocratie. Elle a appliqué le mot de Mussolini à la Chambre italienne. Sans les pleins pouvoirs, nous ne pourrons pas économiser une seule lire. En effet, pour arrêter ce gaspillage, il faut arrêter les effets du régime électif, ce qui se démontre aisément. Extrait de la préface de Jacques Bainville à l'ouvrage « Le fascisme » de Pietro Gorgolini, 3 janvier 1923. Le fascisme croit à la liberté économique, dont l'expérience de la guerre a confirmé les bienfaits par les échecs et les gaspillages de l'action gouvernementale. Le fascisme est persuadé que l'Italie ne trouvera son salut
que dans la reprise immédiate de son activité économique. Le socialiste Turati lui-même a réclamé l'intervention du capital, même étranger, et réclamé pour les capitalistes des sûretés et des bénéfices. Il doit pourtant savoir que la politique socialiste d'une part, l'incompétence et le respect humain d'un grand nombre de députés libéraux et bourgeois d'autre part, soumettent la production à une gêne insupportable. Toute initiative et toute entreprise viennent échouer contre les chicanes, les fausses règles, les interdictions chinoises, dont l'obstacle va croissant. À se dire que l'empilement des normes, des règles, des droits, des fausses protections crée un mécanisme qui dissuade l'embauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est adaptable, que l'efficacité prime. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le libéralisme et c'est porté par une figure incontestable de la gauche, Robert Badinter. Jusqu'à l'arrivée du fascisme au pouvoir, toutes les forces financières, toute l'épargne de la nation était absorbée par les besoins constants de l'État. L'industrie et le commerce étaient privés des capitaux nécessaires à leur développement. Aussitôt qu'il fut arrivé aux affaires, Mussolini mit fin à l'endettement continu de l'État. Dès ce jour, l'épargne fut laissée à la disposition de l'initiative privée pour les besoins de l'industrie et du commerce. Elle contribua ainsi à accroître les revenus de l'État au lieu d'accroître sa dette et ses charges. Les sociétés anonymes, qui sont le meilleur indice du développement économique d'un pays moderne, étaient, à la date du 31 décembre 1921, au nombre de 6619 et représentaient un capital de 20 467 millions. Elles étaient, à la date du 31 août 1925, au nombre de 10 132, et représentaient ensemble un capital de 33 733 millions de lire. Le nombre de grèves était de 2070 en 1920, entraînant dans leur mouvement 2 312 000 ouvriers, faisant perdre à la classe ouvrière et au pays 30 500 000 journées de travail. En 1924, on ne comptait plus que 260 grèves, entraînant 81 013 ouvriers, et causant une perte de 523 760 journées de travail. L'opinion publique, efficacement soutenue par la force fasciste, n'a d'ailleurs jamais manqué de condamner toutes les agitations déréglées, particulièrement celles qui déterminaient l'arrêt du travail. Sociaux. Septième jour de grève à la SNCF et ça continue demain. La CGT Cheminots a annoncé la reconduction de la grève. Les syndicats CGT Cheminots et Sudrail qui ne désarment pas. Ils rejettent, vous le savez, cette réforme ferroviaire examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une réforme qui vise à stabiliser la dette de la SNCF et à ouvrir surtout la société à la concurrence. Alors les syndicats peuvent-ils faire capoter cette réforme? La France est-elle otage de ces syndicats? Est-il donc impossible de réformer notre pays? Et bien voilà les questions. Quand Mussolini arriva au pouvoir, les chemins de fer de l'État étaient en déficit de 1 258 millions. Le personnel comptait environ 250 000 cheminots. Il existait 546 meneurs, militants communistes, exonérés de tout service, mais touchant régulièrement leur salaire et munis de cartes de libre circulation sur tous les réseaux. Il existait également un parlement de cheminots, véritable soviet, dictant ses volontés à l'administration, et qui refusait d'autoriser la circulation des trains transportant des troupes, des munitions ou des policiers. Tous ces abus furent, du jour au lendemain, supprimés par le fascisme. Le nombre des agents a été réduit à 175 000, mais en même temps, qu'une sélection plus sévère était opérée sur le personnel, les salaires étaient augmentés. Il en résulta que le coût total du personnel, au lieu de diminuer, passa de 1970 millions à 2234 millions. Malgré cela, par la suite d'une meilleure direction et d'une discipline par tous respectée, la gestion des réseaux s'est améliorée au point que le déficit a disparu totalement pour laisser un excédent de bénéfices.
Le même redressement se produisit dans l'administration des postes, télégraphes et téléphones. Ce service qui laissait à l'État, pour l'exercice fiscal de 1921 à 1922, un déficit de 464 millions, s'annula complètement pour l'exercice 1924 à 1925. C'est pourquoi le gouvernement fasciste s'apprête à céder à l'industrie privée la gestion des postes et télégraphes, selon l'exemple de l'Angleterre et de l'Amérique. Condition essentielle pour la bonne gestion de ce service exclusivement industriel. Les entreprises qui ne sont pas administrées par des particuliers permettent d'imaginer ce que donnerait, chez nous, cette socialisation des terres réclamée par les communistes. On a eu bien tort de prétendre que le régime bourgeois avait fait faillite au cours de la guerre. Ce qui a été funeste, au contraire, à l'économie du pays, c'est l'excessive ingérence de l'État, la négation de toute doctrine vraiment libérale et de toute constitution vraiment populaire, le socialisme partout en acte, avant-coureur d'un communisme supposé inévitable. Voilà des préjudices certains portés à la nation, qui a souffert la première des malheureux effets d'une politique économique complètement erronée. La volonté nationale, tendue contre tout ce qui pouvait désagréger ou diminuer la patrie, a cherché une arme et l'a trouvée dans le fascisme. Nous propageons l'idée d'une Italie forte. L'humanitarisme est antinational. Depuis l'arrivée au pouvoir du fascisme, ce fut, d'année en année, un resserrement constant et progressif des gaspillages publics. Parallèlement à cette politique de restriction des dépenses, le gouvernement fasciste poursuivait une politique de dégrèvement d'impôts afin d'encourager l'esprit d'initiative, afin de rendre à l'organisme économique de l'Italie la souplesse que tendait à détruire une pression fiscale maladroite et exagérée. Ainsi, l'impôt sur les successions a été supprimé en ligne directe entre frères et sœurs, oncles et neveux. Pour les autres héritiers, les droits ont été notablement diminués, en aucun cas ils ne dépassent 50%, alors qu'autrefois ils atteignaient 90%. On a supprimé également les impôts qui frappaient les administrateurs et les directeurs de sociétés anonymes. L'impôt sur les échanges, comparable à notre taxe sur le chiffre d'affaires, a été réorganisé, généralisé, mais diminué dans de fortes proportions. Le gouvernement fasciste a également, pour attirer en Italie les capitaux étrangers, exempté ceux-ci de l'impôt sur le revenu. Et enfin, pour encourager l'expansion industrielle et commerciale de la péninsule, il a exempté du même impôt les bénéfices réalisés à l'étranger par les succursales des entreprises italiennes. C'est pas parce qu'à un moment donné, on peut rejoindre sur telle formule ou telle chose quelqu'un, on est assimilable à lui. Fine l'ideale, per fidanza combattere.